Yo, salut à tous, c'est Lokan et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo elle est un petit peu particulière puisque c'est une vidéo importante et peut-être structurante de la chaîne secondaire Lokan Classics sur laquelle vous êtes puisque vous regardez encore une fois cette vidéo. Lokan Classics c'est ma chaîne secondaire, si vous ne me connaissez pas je fais des vidéos depuis 15 ans à peu près et j'ai une chaîne principale, Lokan Sardari tout court, qui a un certain nombre d'abonnés en ce moment, tout se passe très bien et j'ai été confronté à un besoin de renvoyer les anciennes vidéos de mon site, lokan.fr devenu lokan.jp, sur YouTube. Donc on a choisi de faire une chaîne secondaire, c'est celle-ci, Lokan Classics, puisque c'était les classiques, les vieilles vidéos. Il y a eu pas mal de changements ces dernières semaines, ces derniers mois dans ma vie, et cette chaîne Lokan Classics, j'ai eu envie d'en faire une chaîne de sport au début, alors essentiellement tournée vers le vélo, mais pourquoi pas un petit peu de muscu, un peu de crossfit, de la course à pied, enfin, différentes choses que j'abordais traditionnellement sur ma chaîne principale, mais cette chaîne principale, je veux vraiment l'orienter sur de la tech maintenant, donc jouer le YouTube game, comme je disais dans la vidéo de présentation, et essayer de faire quelque chose de bien, au sens YouTube, de cette chaîne. Donc, toutes les idées bizarres qui me passent dans la tête, tout ce que je peux avoir envie de partager avec vous, l'idée était de le mettre sur Lokan Classics. Et puis, tout seul, un petit peu bêtement, je me suis limité en me disant bah, ça serait bien de faire aussi un truc bien et de parler que de sport sur Lokan Classics. Mais en fait, c'est pas un truc bien. C'est pas un truc bien parce que, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai 10 000 idées à la minute que j'aimerais partager avec vous, avec plein de gens, etc. Parce que juste je trouve ça cool. Donc j'ai un Discord sur lequel je partage tout au long de la journée des trucs que je vais croiser sur internet, etc. À une époque, je m'étais impliqué dans les stories Instagram, mais Instagram, je m'y fais pas en fait. Très simplement pour partager du contenu, je partage, les gens réagissent, mais l'interaction elle est pas bien en fait parce qu'elle est unilatérale. Le partage se fait avec tout le monde et la réception, bah, y a que moi qui vois les messages que vous m'envoyez et c'est forcément sur internet. Téléphone, c'est pas pratique en fait. Donc toujours en discutant avec la team du Discord, il m'est venu l'idée de faire ce que je fais là maintenant et ce que je pense faire dans les prochaines semaines. Alors encore une fois, effectivement, je change mon fusil d'épaule et Lokan Classics, qui était une chaîne pour mettre les vieilles vidéos, était devenue une chaîne pour mettre des vidéos de sport et maintenant redevient un espèce de gros brouhaha comme était Lokan au début et on se rapproche du nom Lokan Classics. Donc cette vidéo c'est peut-être une des plus propres vidéos qu'il y aura sur la chaîne parce que l'idée c'est pas de vous faire des vidéos sur un trépied posé avec un beau micro, avec un Sony A7 Mark III et de faire des jolies vidéos comme ça avec des petits cuts qui vont bien etc. Cette vidéo elle est là pour vous exprimer et vous expliquer ce que je compte faire. Et ce que je compte faire c'est me servir de cette chaîne comme d'une story qui ne se supprime pas dans le temps. Alors je sais c'est un petit peu antinomique mais j'ai du mal avec le fait qu'une story se supprime. Si j'ai fait un site internet il y a 15 ans, c'est justement pour avoir une page archive et pouvoir renvoyer les gens vers des articles que j'ai écrits, que ça dure dans le temps, avoir un héritage entre guillemets. Et avec les stories, avec la manière qu'on a de consommer internet, vous, moi, tout le monde, hein, ça n'existe plus. Donc, Lokan Classics aujourd'hui, j'ai envie d'en faire le lieu sur lequel vous pouvez retrouver tous mes cheminements d'idées. Toutes les choses auxquelles je pense, que ça soit dans la rue en train de me filmer quand je vais au travail, que ça soit en train de faire un test d'un nouveau produit, et cette fin d'année va être très riche en nouveaux produits, avec les iPhones, avec les Mac, les iPads, les Apple Watch, il va y avoir plein de choses à partager avec vous. Et il y a plein de choses que j'ai envie de partager avec vous en dehors de la vidéo ou de l'article que je partage avec vous, qui lui est censé être propre, encore une fois, structuré, avec des jolies lumières qui vont bien, etc. J'y passe du temps, ça demande beaucoup de temps de faire une bonne vidéo. Et c'est pas forcément le truc qui me plaît le plus, moi ce que j'aime c'est partager avec vous. C'est pour ça que le slogan, le bandeau de la chaîne a été modifié pour revenir au slogan du début, le plaisir de partager en 4K ou en HD. Le slogan du début était le plaisir de partager en HD et comme je suis un poète et que j'aime les rimes, j'ai renommé le plaisir de partager en 4K ou en HD. Mais l'idée encore une fois c'est de partager avec vous tout ce qu'il y a entre ma pensée, ce que j'ai envie de vous dire et ce que vous regardez devant l'écran. C'est chiant pour moi en fait, j'ai juste envie de vous partager du contenu, donc ça passe par le biais d'un appareil photo maintenant, d'un montage Final Cut, d'un envoi sur YouTube, d'une publication, mais si ça passe juste par un iPhone etc, c'est très bien, moi ma priorité c'est de partager du contenu avec vous, et c'est ce que je veux faire de Lokan Classics. Donc on va revenir à des vidéos à l'arrache, souvent, faites en plein déballage, parce qu'il y a un truc qui m'interpelle et que je veux avoir votre avis avant de faire le test complet, peut-être, et que ça n'a pas forcément sa place dans le déballage. Donc ça peut être souvent du contenu behind the scene, ça peut être des réactions à l'actualité, comme je faisais sur Instagram, comme je fais toujours sur le Discord, en vous faisant une petite vidéo de 1, 2, 3 minutes, j'en sais rien, ou peut-être même plus long, pour réagir à un contenu d'actualité. Et c'est réellement juste ça, du partage. Si ensuite il se passe quelque chose sur cette chaîne, que beaucoup de personnes s'abonnent, etc., qu'il y a une interaction qui se crée, tant mieux, c'est cool, mais je le vois vraiment pour l'instant comme
Un coin de YouTube live, d'Instagram Stories qui reste et qui perdure dans le temps. Donc j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Moi, les prochaines vidéos que je vois, par exemple, c'est le test de l'iPhone 13 Pro. Je compte le faire à Barcelone, par exemple. Je vous fais un spoiler. Et je vois bien une vidéo dans Barcelone en train de faire mon test vidéo, tout simplement. Et ce test vidéo que normalement je garde juste pour moi, ou que je partage avec les membres du Discord, ou qui peut-être des fois pourrait arriver dans le test final, et bien en fait, il sera envoyé tel quel et je ferai un petit selfie vidéo en même temps que je fais mon petit test pour vous le poster. Et en avant-première, eh bien, vous aurez du contenu sur cette chaîne, du behind the scene encore une fois. Et pour mon cerveau torturé, tout ça c'est vachement bien parce que ça reste dans la continuité des vieilles vidéos qui étaient faites très souvent à l'arrache, de reprendre le flambeau avec des vidéos en 4K, parfois en HDR, mais en 4K tout le temps, aussi à l'arrache. Donc j'espère que vous serez nombreux à vous abonner à cette chaîne et que je partagerai ce contenu avec de plus en plus de monde, ça serait cool parce que réellement c'est la chaîne secondaire de la chaîne principale et tout s'aligne un petit peu pour moi et ça c'est vraiment cool. Et dans ces vidéos, en fait, je vous dirai jamais de vous abonner ou de liker ou de mettre des commentaires, vous le faites si vous avez envie, l'idée c'est juste de partager du contenu avec vous. La conclusion change pas, je vous fais des grosses bises, je vous dis à très vite, que ça soit sur la chaîne principale ou la chaîne secondaire, et pour la chaîne dédiée au sport, on verra un petit peu plus tard, je suis pas assez mature. Et pour la nostalgie, je vais même vous dire au revoir comme à l'époque. Tchou !